Re-YouTube, toujours sur cette session de Thimbleweed Park. On vient d'arriver dans l'hôtel, enfin on vient d'arriver avec avec Scully. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe-t-il. Est-ce qu'on va trouver des choses dans la salle? It's locked. Enfin, dans la chambre de machin. J'ai du mal avec les prénoms. Hein. Je me rappelle absolument pas des prénoms. Hein. Une catastrophe. Les prénoms, les noms. Est-ce que je refais tous les étages ou pas? Est-ce que je me refais tous les. Ah, regardez, je vais quand même aller au 10. L'élévateur est still. Ah, c'est tout fermé maintenant. Ah, il y a du y a de la poussière. Ouais. Très bien la poussière. On aime ça la poussière. Petite musique d'ascenseur évidemment. Hein. Dans l'ascenseur, ça me paraît logique. Hop! Est-ce qu'il y a de la poussière? De la poussière? Poussière partout. Utiliser la carte. Ah! Le chewing-gum. I'm not touching that. Dommage. I can't leave the hotel for some reason. I should check out the front door to the hotel. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Ok. That gum appears to be the only evidence that Franklin was ever in this room. Nah, must be a better use for it. Okay. I'd better hold on to this until later. Okay. Je sais pas, moi, fais quelque chose. Déjà, allume tout. Utiliser le lit. If I go to sleep, I'll never finish my to-do list. I can't open that. Y'a rien. Who's the fairest of them all? The lid of a toilet. Things don't get more amazing than that. It's getting dark out there now. Ok, donc il y a pas grand chose effectivement. Ah, attendez. I can't see anything. These things never work. In case of emergency, do not sue Chuck Edmund. Attendez. Si j'éteins ça. Que j'éteins ça. Voilà, la lumière que ça fait dans la chambre, quoi. Was all that about? Why couldn't they see me? I'm dead. Well, I guess that's probably what I deserve. About time you joined us in the land of the almost dead. Who are you? I'm Xavier, the head ghost, and I'm in charge of the ghosts. I run a tight ship. Everyone must pull their weight or face the penalties. What do you mean, pull their weight? Don't ask. Time to update the schedule for everyone to follow. Clara,
You're on elevator duty. Don't let anyone get to the penthouse. I was just on elevator duty. No arguing. Now, Virgil, keep up the good work on front door duty. Don't let anyone in or out of the hotel. It's about time the living started realizing who's really in charge around here. That doesn't seem right. That's irrelevant. New ghost, you're going to scare at least two people who try to use the drinking fountain in the lobby. Okay, everyone to work. What are you waiting for, Clara? By the way, your brother died. Chuck's dead? When did that happen? I'm free of Chuck's tyranny. That is, I know he would have come here to tell me off if he could. I wonder why this head ghost seems so bossy. I've got to scare someone? Maybe I have special powers. Ok. Je peux pas le voir en fait. Il est là, mais je peux pas le voir, ok. Alors, utilisons l'ascenseur. Elle est là. That's weird. I swear I pushed the penthouse button. It must be broken. Ok, donc ça explique. Ça explique qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton du penthouse. Alors. I'm not going through while it's spinning. No thanks. What could be causing that? A mechanical malfunction wouldn't do that. Un grain de poussière. Je l'ai vu. Oh, j'ai un succès. Trop bien. I'm not talking to a grody like you. I'm not showing my badge here. I'm not showing my badge here. Papa. Les photos historiques, voir. Photos of the construction of the hotel and past employees. Photos of the construction of the hotel and photos of the construction of the hotel and I don't want to pick that up. I can't push that. Okay. I can't push that. Utiliser les fleurs dans le verre. I'd better hold on to this until later. It's locked. Welcome to the Edmund Hotel, most beautiful hotel aboo in the Tri-Thimbleweed Park County area. Ouais, tu m'as déjà fait ça. How may I be aboo of service? Ok. Qu'est-ce qui est arrivé à la porte d'entrée, ouais? What's going on with the front door? It does that sometimes, and everyone worries that the hotel's boo-hoo haunted. But it usually fixes itself at some point aboo within a couple of days. How else may I be aboo of service? I'm going to check out your, interesting lobby. Goodbye. Have a nice evening, aboo. Est-ce qu'il a eu avant? Et il vient me faire peur ou pas le... I'm not
not talking to a grody like you. Ok. Ah, je peux le jouer? That tickles. Also surprisingly easy. The elevator isn't on this floor. Ouh, ah, plouf, ouin, zap, brrr, parler. It's an electrical elevator. Maybe I've got some useful special power I can use. Ok. Nice. You ought to be doing your job, scaring someone in the lobby instead of talking to me. You don't want to make Xavier mad. Dès qu'il arrive. I'm right here. Faut le zapper. Hello. Get real. That's totally not the greatest. What's going on here, Abu? I better jet out of here. Oh, it's just the drinking Abu fountain. As long as it's not something serious, Abu, then I won't have to call our plumbers. Not bad. Now you need to find someone else to scare. Then you will have met your daily quota. I have to get back to work now. How long are you on door duty for? Until Xavier says we're all done for the day. Now, deep breath. This is my job. Go do your own job and scare someone around here. Now, deep breath. Ok, donc faut que... I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Utiliser la fontaine. I'll never get to finish that delicious sandwich. That doesn't use electricity. Okay. Chuck is not perfect. Ooh. Ah. Blue was never my favorite color. The only explanation for that is the plumbing here is terrible. I don't believe in ghosts, unlike certain other agents. Sorry, ah. That's not the reaction you wanted, is it? What I meant to say was... Oh my, I'm so shocked and startled. Please save me from myself. What's going on here, Abu? The drinking fountain is having a little moment. Oh, it's just the fountain, Abu, again? It still doesn't seem serious enough to call the plumbers, Abu. Passable. I'm surprised you had it in you. Time for another ghost meeting. Clara, Virgil, get over here now. Ouais, faut que je fasse assez de trucs pour que les plombiers viennent, quoi. Virgil, good work on the door. That should do it for today. New ghost, average first scares. Keep practicing. Clara, stay on elevator duty. I need some privacy. This is outrageously unfair. Why do the men get to finish for the day? Enough complaining. Do you remember what happened last time? All right, all right. Sorry about him. We don't know who put him in charge. I wonder what the guest is up to. The elevator isn't responding. Someone must have locked its use. Ok. Tiens.
Ah. The effect would be better if someone was using it. OK. It's chaos in there. I think they're setting up for something. I'll wait until they're done setting up before I go in. OK. Ah, je peux de nouveau sortir, ouais, par contre. Ah, c'est ça, ouais. Je peux aller à l'hôtel. Elle a dit, voilà, que lui, il avait peur. Lui, il avait peur des... Attendez. T'avances pas, là. T'avances pas, gars. T'as un grain de poussière à ramasser, là. I can't open. Oui, non, mais tu la open pas. Tu passes de la travers, quoi. Et donc, là... I wonder what the guest is up to now. OK. Je bois ça. Et là, paf. Et là, plouf. Et lui, il a peur. What's that? Take a deep breath and think calm thoughts. I'll never get to finish that delicious sandwich. The effect would be better if someone was using it. Okay. Oh, what's that again? Take a deep breath and think calm thoughts. I wonder what the guest is up to now. Mm-hmm. Ooh. Chuck is not perfect. Ok, bon. Well, back to work, Abou. Donc je peux rappeler l'ascenseur. Xavier says talking on duty is not allowed. Also, I don't talk to new ghosts. Leave me alone. Xavier says talking on duty is not allowed. Also, I don't talk to new ghosts. Leave me alone. Comment ça, je peux pas? Je peux pas. Je peux pas changer? Pourquoi? Est-ce qu'on peut appeler on peut appeler les gens? Pigeon Brothers, plumbing, electrical and paranormal investigations. We don't monkey wrench around. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks and frights. Attends, est-ce que lui il peut récupérer le verre? I don't feel like cleaning up after hotel guests right now. Okay. Est-ce que lui il peut faire ça? Et il y a la dame. That's weird. I swear I pushed. Oui, je peux aller dans l'ascenseur, mais je suis bête.
Bah oui. On peut avancer dans d'autres choses maintenant. Et c'était la 503. Une pluche ? Mais... Il y a un passeport, utilisé. Non, prendre. Nice. It's a German passport for Boris Schultz. Prendre l'ourson. The label says Pillow Bear, the toy that can be turned into a pillow. Ok. Chuck's reach extends everywhere in this town, even from his grave. Hop hop hop. Est-ce que je peux prendre du papier toilette? Yes. Ça me sert à rien, mais je suis content. Donc j'ai le passeport. Et vu que j'ai le passeport, je peux voir à travers le trou. I can't see anything. These things never work. Ok, trop bien. Et donc je vais pouvoir aller mettre ça dans le machin au tronc. Hop 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 hop. Main Street, A Street, Main Street, B Street. La Red Abuse. Parfait. Non mais, allez, tu peux le faire. Je crois en toi. Tu vas y arriver. Et donc, bim! Qu'est-ce que ça va me dire? Qui va me dire oui, c'est bon, t'as trouvé la bonne personne? Prendre. Le rapport du bobinotron. Entrée photo, entrée pièce d'identité officielle, passeport allemand, sortie photo identifiée, Boris Schulz, homme d'affaires suspect de nationalité allemande. Exactitude 100%, marge d'erreur 0%. Brevet déposé. Donc on a trouvé qui c'était. Bam, bam. Donc on sait qui c'est. Obtenir le rapport des empreintes sur l'arme du crime. Mais il faut que je trouve l'arme du crime. Évidemment. Donc ça c'est fait. Ah d'accord, je peux juste passer derrière là, mais c'est tout. Dac. C'est plus rapide si je vais à gauche, je pense. Ah mais... Comment je fais pour me téléporter? Il faut tous se retaper à chaque fois là. A priori. Est-ce que j'irai pas au cirque? Oh,
Alors. Voir. Tickets 25 cents. Ah. It's a rusty old padlock and it's locked. Ah, la route de campagne, c'est non. Oh là là. Coupé de ransom là. I'm not touching that. It's probably cursed like ransom. I remember when those dolls were all the rage. People would wait in line for hours to get one. Keep your panties on, I'm coming. Whatever you're selling, I'm not buying. So take your dime store suit and good news pamphlets and stick them where the sun don't shine. Ok, il est pas très sympa. Excusez-moi monsieur Ransom, j'ai quelques questions à vous poser sur le corps des retrouvés près du pont. Livraison de pizza pour Ransom le clown, je vends des pantalons en polyester d'excellente qualité. Non. Excuse me, Mr. Ransom. I need to ask you about the body by the bridge. What's the matter, kid? Never seen a man wearing makeup before? Look, face, you better start talking or get out of here. I don't need another chlorophobic wet pissing his pants on my doorstep. Il a peur? Sorry, sir. I don't know what's come over me. Jeez, kid. What the f*** is wrong with you? Let me start again. Jeez, kid. What the f*** is wrong with you? Ok, a priori, il a peur. Let me just turn around for a moment. Ah, that's a bit better. I'm sorry about that. I guess I never did get over what happened at my 10th birthday. Okay. Whatever, bozo. Does this mean you're gonna have your back to me the whole time? We'll see how it goes. What do you know about the body by the river? What body? Earlier this evening, we found a body down by the bridge. We're investigating and I was told you might have some information for me. Nah, I heard some sirens before, but I figured they were headed for the mansion. That's where most of the f***ed up stuff happens. Okay. What weird stuff do you know about at the mansion? You want to find out about the mansion? You're gonna have to talk to some other idiot. I keep to myself and the town folk leave me the f*** alone, thank f***. I'm not about to rock the boat. I don't pay rent here and I can't go anywhere else after my f***ing ex-wife took me for everything I had. Vous n'entendez pas très bien avec les gens du coin? Given my creepy clown face and penchant for abusive name calling, it's not made me a popular community figure. No. Tu m'étonnes. But I don't need the validation of these small town losers. I'm Ransom the clown. I was on the Tonight Show. I'm great. What do you know about Chuck? Chuck? As in Chuck, my factory is too good to make toys, Edmund. Didn't know the pompous well myself, but I knew his brother Franklin. Weedy guy. Total scared to stand up to his big brother, even though the family business was in the crapper. How do you know Franklin Edmund? We were supposed to go into business together. My act was about to go bigger than Jesus. I was a hit on the Tonight Show. I was on my way to the top, so we figured why not cash in with a little merchandising. Franklin wanted to get the pillow factory into making toys, so it seemed like a good fit. What kind of toys were you planning to make with Franklin? Jeez, how do you get by in life without brains or beauty? Isn't it obvious? We were gonna make Ransom the Clown insult dolls. Would have been great if Franklin hadn't bailed on me and gone missing before we signed the contracts. I could have been rich by now if that little toady had grown up. Ah, ce petit con quoi. Le mec est mort, il aurait juste rien à branler quoi. Don't go anywhere. I'll be back. Whatever, pencil net. Not like I'm going anywhere, but you're not getting inside without a warrant. Putain, et tout le monde demande des tout le monde demande un warrant quoi. Ok, je suis allé parler à Ransom. Et du coup,
La station de radio, l'hôtel, le point de vue. Le point de vue du sentier. Et le manoir. On va essayer d'aller à la station de radio. Je suis un fou, moi je vais direct à la tour. No way am I climbing that. I'm afraid of heights. No way am I climbing that. Okay. I'm afraid of heights. Ah, il y a de la poussière là. De la poussière par terre. It says phone Tron 3000 for when you need to. There's nothing to use here. Except maybe that tube. It's stuck. Évidemment, j'y ai cru. Je pense que les tubes, c'est une belle blague en fait. Et jamais on pourra les prendre. Wake up, people! The government is stealing your right. Ah, mais c'est elle, oui, d'accord. Ok. And now back to our special hostile takeover song. There's a thick layer of dust on it. And a message. No one's taking my desk or anything else in here. I have glue. C.S. I can't. It's been glued to the desk. Nice. I remember that poster. It gave me nightmares. Table de mixage, la platine, le micro, de la poussière, vite. Utilisez le canapé. No way. Looks like the radio station is on the air. It's locked and bolted from the inside. Impressive mic. Impressive mic. It's a turntable. What a big lever. It's a mixing board, but I can't see the controls from here. Ok. Donc, lui il peut pas monter. Lui il peut pas monter. Et peut-être que elle va pouvoir, non? Attendez. Ah, je peux jouer à Ransom? Oh là là, ça y est, ça y est. Trop de monde là. It's my next lawyer's business card. Brent Bailiwick JD. Legal problems? We'll screw them for you. I'm in the phone book. He definitely screwed me. Elle trahit tout le monde. Ça c'est fait. Nourrir petit bip. Récupérer le colis à la poste. Essayer de me démaquiller. Obtenir 47 grains de poussière. Ma vie est un enfer. Si tu lis cette liste, va mourir. Prendre la bande dessinée. Ah oui, prendre la bande dessinée. Ransom. That's a rare first edition of my fantastic comic book. Aller vers le trou, voir le trou. Looks like a rat hole. Et le miroir, voir. That a f*** of a still doesn't work. Well. C'est vrai. Voilà, j'ai essayé. Le lit. Utilisez le lit. Prendre les trophées. I glued them to the table so no one could steal them back when I thought they were real gold. After 10 years, looks like it worked.
My old circus poster featured the amazing Ransom the Clown. Utiliser la nourriture. That doesn't seem to work. Prendre. No thanks. Better leave it where it is. Yeah. Prendre le slip de clown. Always time to do laundry later. That doesn't seem to work. Ah, prendre la vie de passage. Package held at Thimbleweed Park Post Office for Ransom the Clown. I'm not gonna search the circus for you, Ransom. George the Postman. Well, you, Georgie, you lazy. L'assignation à comparaître, comment ça? I don't wanna take this with me. It's fine where it is. I'll just leave it where it is. That way I can laugh at the sheriff whenever I feel like crap. That's just my eviction notice from 5 years ago. Every time that sheriff tries to kick me out, I give him hell. He's a frick. Looks like a rat hole. Du fromage. Tout? Ouais, c'est tout. Fermé. Et dans le cronde, il y a quoi? Ah, petit bip. Le fromage moisi sur petit bip. Little Beeper is lactose intolerant. If I give him cheese, then the whole trailer smells like farts. Évidemment. Oh là là, il y a des livres. Come back here. Hey, stop. Et courant d'air qu'il y a dans sa roulotte là. Damn broken window. Ok. It's my joke book, but there are four pages missing. It's a page from my joke book. Got the page stuck back into the joke book. Got the page stuck back into the joke book. Got the page stuck back into the joke book. Ok. It's my joke book, but there's one page missing. Where the is it? Eh ben, on va essayer de voir ça. Petit bip, par contre, utiliser le fromage. Je le trouve. Et il y a de la poussière. Push that. That doesn't seem to work. Looks like a rat hole. Non, c'est pas ça que je voulais faire. That's a rare first edition of my fantastic comic book. Tellement de trucs à faire. I need to be higher to jump on it. I won't pick up some greasy, disgusting, inedible piece of popcorn if I can't put it in something. Ok. That's where the midway used to be. Now it's my garbage dump. Ah, j'ai le truc de popcorn. Prendre. Ok, et maintenant. Well, that's one. Little Beeper loves this crap. Okay, two. I can count. Am I really gonna pick up all this? Rat's having more fun at this than I am. Not even half full yet. This sucks. Almost half full. Half full now. This is taking too long. At this rate, it'll be 1988 before I'm done. This is gonna take forever. Where's the f***ing rat taking the popcorn? Don't! Don't! Sachet de popcorn à moitié plein. Ok. Utiliser la machine à popcorn. It's empty. The rats and I cleaned it out years ago.
Grain de poussière là-bas. Prendre. Ok, donc faut que j'aille le... C'est le trou là-bas. D'accord. I can't get there from here. There's another way. Salut Validolium. Eh oui, du Timbleweed. Bienvenue à toi. Grain de poussière, vite. Merci. Sorry, I don't understand. Ah, sorry. I'm French. I can speak a little English. If you really, really want to. But I will mainly speak French. You can learn if you want to. Alors... La crème, le miroir, ça marche toujours pas. Alors, c'est quoi ? There's an inch thick layer of dust on it. Hasn't been used in years. I don't want to pick that up. Ok, le canon, je sais pas. I don't want to pick that up. D'accord, ça marche. It's a box with a crank on it. Utiliser. Quoi? C'est un serpent. Ils se foutent de moi, hein. Thanks for your follow. Ah, and some new swearing coaches. Ok. A duck called Malak. Ok. It's the list of all the who swore and paid up. D'accord. Pousser le pot à gros mots. I can't push that. T'es vraiment nul, hein. Tu sers vraiment à rien, hein. Alors, il y a des trous. Bon, ils vont où les souris? Bon, là-bas, les souris, hein. Ouais. 100% ils vont là-bas, hein. Hop. Donc, si je mets le fromage sur le trou... Normalement, la petite souris, elle va lâcher le popcorn. The bag's partially full of popcorn. Ah oui, forcément. There's gotta be a better way. Ah, c'est mort, maintenant je peux plus...
Merde. Ok, super drôle. On s'est vraiment bien marré avec lui là. Allez vers le trou, je peux y aller là. Ouvrir. Non, marche pas. Oh! It's a full bag of popcorn. Ok. Fallait juste partir et revenir. Trop sympa les souris. Elles en avaient marre du popcorn, elles ont dit tiens, il a été cool avec nous, on va être cool avec lui. Ouvre la porte. Non, ouvre la porte. Allô ? Merci. Donc, le popcorn sur petit bip. Here you go, little beeper. Enjoy your crap. Alors, content ou pas content ? Si, content. It's little beeper, my pet hamster. Sure eats a lot. Nice. Attendez, je suis en haut là. That's too far to jump from here. That's too far to jump from here. Et là. Non. Monte. Non mais monte. Merci. That's too far to jump from here. Oh là là, quel nul là. Oh non. It's too heavy. Ah. Ah. That's as far to the left I can move it. They'll have to push it to move it to the right. You, I'm not gonna jump on that without a spotter. Safety first. Ah, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? You, I'm not gonna jump on that without a spotter. Safety first. Ok. Alors, faut que j'aille ici. Parce que c'est ici la poste, hein. Oui. Hop, utiliser. Bah. On va parler lui. Allez, pas. Ransom, what are you doing here? The latest issue of Humongous Honka Honkas won't be mailed for at least another week. You, George. Can't a clown visit the post office without the third degree? Sheesh, someone woke up on the wrong side of the big top. Let's try that again. What can I do for you, Chuckles? George, espèce de grosse feignasse, je veux récupérer mon colis, ça ne va pas marcher. Comment tu fais pour pas devenir cinglé en bossant dans ce trou? T'en as d'autres des blagues ultra pourries? Tu veux que je te raconte une blague sur les bureaux de poste? Got any more of those awful jokes? Oh, I got some doozies for you. Did you hear the one about the unstamped letter? Non, je crois pas. No, you wouldn't get it. That was terrible. How do you not go postal working at this hole? Hey, we don't use that sort of terminology around here. What are you gonna do about it? Shoot me? Job-related stress is no laughing matter for us high-level government agents. Okay. I got a joke about the post office. What's the difference between a dog and a mailman? I don't know. The dog knows how to bring you the mail. That's very disrespectful to the United States government mail handling officials, Ransom. Get bent. Ok, donc c'est un sale con, hein. Hey, George, you lazy. I want to pick up my package. Let me see that. Okay, one moment.
And next time, deliver it to me in person. What do you think I pay my tax dollars for? You haven't paid your taxes in years! What do you think sorts all outgoing mail? Well, you. Alors, qu'est-ce que c'est le colis? It's addressed to me, Ransom the Clown. Ouvrez le colis. There's a note inside. Dear Mr. Clown, we hereby return your defective samples. The wallet seems to be made out of a rare endangered species of bird, and the candy dispenser sparks whenever you use it. Please do not contact us again. What a bunch of wads. Et cool, j'ai le... It's my sample official Ransom the Clown wallet. I hope to get a manufacturing deal when I'm back on my feet. Alors, il est où, The Bum? Buy me some kombucha? Il y a un mode non censuré sur les bips. Thimbleweed Park guided tours? J'ai pas envie. Donnez le portefeuille à Willy. Here's a new wallet with my picture on it. Oh, Ransom the Clown wallet. Thanks. Here's my old one. What am I gonna do with this piece of... Great. What do I want with a bloody wallet? Ok. Ça c'est fait. Trahir de tout c'est fait. Nourrir petit bip c'est fait. Récupérer le collier à la poste c'est fait. Essayer de me démaquiller c'est fait. Retrouver la page du blaglier. Du blaglier. C'est pas encore fait. Have you seen my dime? Fic, 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 fic. Attendez, bah je vais manger aussi. You know you're not welcome in here, Ransom. T'as pas le droit de refuser de me servir parce que je suis un clown. Comme ça, on m'envoie les fédés. Ratting to the feds on me, eh? Just order your food and get lost. Je vais prendre un nouveau hot dog dégueulasse. I'll have one of those disgusting hot dogs. Knock yourself out with those hot dogs. We're trying to move them before... Well... I hope you choke on it. Nom, nom, nom. This tastes like crap! And I oughta know. Gotta go! Ça le fait rire. I feel better now. C'est bien, bientôt il n'y aura plus de hot dog. Il va être obligé de refaire des trucs. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Dude, can you score me some more of that clown blend? I don't think so, kid. I need to be responsible for the death of your last two working brain cells. Je connais un chimpanzé qui ferait ce boulot mieux que toi. Alors ça fait quoi de savoir que ce job c'est le plus haut que tu pourras jamais atteindre dans... Je sais pas. Espèce de... Va te faire. Faut que je file. I think I left my hamster in the microwave. Gotta run. Parce que Ransom il est un peu... C'est un peu un connard, j'ai pas envie de le jouer. Hein. Je vais aller à l'hôtel. Mais parle-lui. Get lost, Ransom. Quoi? T'as pas trop sur le système tant qu'on pas débutant. No one else should have been assigned to this case. Yeah? What gives? I don't trust him any more than I do you. I'll do what I can to help you find the killer, but only because I know you pin it on me just out of spite. Just making my quota of squashing scumbags. I've said it once, I'll say it again. You, Red! Yeah. Chuck. Hey, that rhymes. I didn't do 4 years of clown college for nothing.
I'm bored now. Donnez le portefeuille. Here's a bloody wallet. I hope you get hepatitis. Hop. Attends, parce que du coup. Tac. Donne-lui les grains de poussière. Donnez. I wonder what the. What the? Dust! Well, back to work, Abu. Ah, il est pas content? It's my specks of dust. I wonder what the guest is up to now. Oh, il va. Il, regarde! I can see you looking at me. I'm not doing anything I shouldn't be. This is essential Abu, hotel Abu, business Abu, isn't it? Ok, donc faut que je le fasse avec le fantôme. Parce que le fantôme, lui, il veut pas le voir. Ok. Donc faut que j'arrive à choper le moment où il est en train de le faire. Station de radio, comme ça je peux récupérer les grains de poussière. Hop, vas-y. Parle-lui, tiens. Hey, face. I think I'm over my chlorophobia. Like I care. Ok. Yeah. T'as déjà vu un clown tout nu? Never seen a clown naked. You better shut up or I'll arrest you for indecency. Off. I'm bored now. Ok, tac, et donne-lui. Donnez. What the f- dust? Bah, tu vas te plaindre? Oh, mais oh, parlez. I think I'm over my chlorophobia. Like I care. Ça doit être marrant, vivre dans un cirque. C'est beau aujourd'hui, hein? Nice weather. I'm not into small talk. Must be fun living in a circus. Yeah, barrel of monkeys fun. Except that place smells like a barrel full of dead monkeys all the time. Ok. Nice talking to you. Et du coup, est-ce que j'en ai assez? Oh, les 43, j'ai pas lu encore, quoi. Retrouver la page. Où est-ce qu'elle a pu s'envoler, cette sacrée page? Oh, let's get the clown to climb the ladder. The circus freak will climb the ladder. Il y a une poussière dans le ciel. Non. C'est long. Ah, c'est long. Ah, c'est méga long. Alors. On va utiliser le levier. Now I better get out of here fast. What happened? We're off the air. Just as we feared, the government sabotaged the tower. Évidemment, évidemment. Hop, vite, faut que je prenne l'autre. Let's go. Utiliser. D'accord. Et ensuite. Utiliser la table de mixage. I don't know how. Too many knobs. Utiliser le disque. That doesn't seem to work. Prendre le disque. I can't. It's been glued to the turntable. I can't. Non. It's been glued to the turntable. Prendre la platine. I can't. The turntable has been glued. That doesn't seem to work. Prendre la platine. I can't. The turntable has been. That doesn't seem to work. Prendre. Non, non, non. Prendre le micro. I can't. It's been glued to the. That doesn't seem to work. Il faut que je fasse. Faut que je trouve quelque chose à faire en fait. Fermer la porte. Mais non, mais de l'autre côté. Sois pas con.
J'ai touché au levier, hein, donc je sais pas. Attendez, poussez le levier. Non, prendre le levier. I don't want to pick that up. Non, je peux pas. Je sais pas. Viser le canapé. Ah, la revoilà. Okay. All back to normal again. Bon, il y aura quelque chose à faire, c'est sûr. Quoi, j'en sais rien. Mais il y aura un truc à faire. La fabrique, le point de vue. Qu'est-ce que je voulais faire là ? Attendez, bah, je peux aller à la fabrique avec lui. Par contre, avec elle. Ah ouais, attendez. Voir, qu'est-ce qu'il fait ? La chambre 1008. Ok. Alors, je rentre dedans. Je zappe le machin. 1008. Let's go. Il y a un truc a priori. This is the life. Parler. That's a bit strange. What was that? What on earth is all that? That poor man. I've got to help boo him. Hello, Acme Maintenance? It's the Edmund Abu Hotel. We've got an emergency, Abu, right now. What do you mean you're not available tonight, Abu? You're supposed to be a 24-hour service arena, Abu. Where will I find someone else, Abu, at this hour? Huh. Well, maybe I imagined it. I saw him. What was that? That doesn't use electricity. That doesn't use electricity. Last week, again? Maybe I didn't imagine it. My darling. That poor man. I've got to keep trying to help Abu him. Hello, Acme Maintenance? It's the Edmund Abu Hotel. We've got an emergency, Abu, right now. What do you mean you're not available tonight, Abu? You're supposed to be a 24-hour service arena, Abu. Where will I find someone else, Abu, at this hour? Huh. Well, maybe I imagined it. Non. Again? Maybe I didn't imagine it. That poor man. I've got to keep trying to help Abu him. Hello, Acme Maintenance? It's the Edmund Abu Hotel. We've got an emergency, Abu, right now. Ouais, bon, ça tourne en boucle, là. Tonight, Abu? You're supposed to be a 24-hour service arena, Abu. Where will I find someone else, Abu, at this hour? Huh. Well... Maybe I imagined it. Eh ben, je peux peut-être... Ah, mais rendre tombeau... Ah, mais il peut sortir de l'hôtel, en fait. Oh.
D'accord, il n'y a personne d'autre. Déjà, ce que je voulais faire, c'était elle. On va aller mettre le portefeuille. Mais non, mais c'est pas, non, mais c'est pas là que je vais être. Là, moi, je vais aller à Main Street, voilà. Hop, on ouvre. On va au coroner. Et le Blood Outron. On utilise le machin là-dessus. Bam! Parfait. Ça marche, ça marche. Grain de poussière. Là. The future used to be a wonderful thing. Ok. Ouvrir la porte. It's locked. La chaîne cadenassée. Foreclosed by order of Safely First Savings. Looks dangerous. I can't see much from here. Bam 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 bam. Pourquoi on fait guerre? Qu'est-ce que c'est? It's a puddle full of muddy water. Prends-le, le grain de poussière. Oh, c'est full Monkey Island là. Ouch! The thorns on that bush are razor sharp. I hope I don't bleed out. Faut la tête. Faut évidemment la tête. Utiliser. It doesn't work with that. Ok. Une flaque d'eau boueuse. Ouais, il me faut le. Il me faut la tête, je pense. C'est lui qui a le. Ok, c'est elle. Pretty disgusting head. There's a small.
Non, 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 c'est parce que je... Non, non. Mais j'ai entendu... Oh, non, putain, je... Voilà. Attends, file-lui un truc. I like working a case alone. I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Like I don't have enough to carry already. Parce que j'ai entendu des trucs que j'ai pas envie d'entendre là. Alors. Ugh. Smells awful. Ok. Là, faut que j'aille où? Faut que j'aille là. Ah non, c'était pas là. Alors, il me dit quoi? À droite. Donc, voir. It says, here lies a treasure of great value. Dig if ye must, but do not complain if 'tis not what ye expected. It says, here lies a treasure of great value. I don't want to pick that up. Panneau ou panneau, d'accord. Le X indiquant où faut creuser. Ah mais non, mais il me faut un truc pour creuser, non? Gamers who have reached this spot without a shovel and need to load a save game. Évidemment, référence à Monkey Island, hein. Totalement une ref. Ok. Alors, attendez, j'ai quoi à faire là? J'ai quoi à faire? On pourrait parler à Dolores, qui est sûrement du coup dans le manoir. Elle creuse toujours lui. Hey, salut Doug. What are you doing there? Oh, I'm just digging. Mostly holes, but then I bury them again, all neat and tidy. Et il fait toujours pareil quoi. Prendre le jerrycan. Prendre le tas de bois. No thanks. You think I'm a log lady? Hello? Hey, c'est Dolores. Federal agent. Vous et vos amis jeunes n'êtes pas en train de vous droguer, j'espère. Ok. Vous savez, sur le corps qui a été retrouvé près de la rivière. What do you know about the body by the river? I'm sorry, this isn't a good time to chat. So, if you'll excuse me, I need to talk to my sister about the will reading before heading out. She's waiting for me in the library. Well, okay. Just don't leave town. Mais là, on peut pouvoir jouer Dolores. Ouais, on peut jouer à Dolores. Oh là là. Mais juste, juste, on lui, elle nous dit, vas-y, casse-toi. Et on dit ok, nous. Découvrir ce qui est arrivé à papa, m'entraîner sur les tableaux ASCII, obtenir la clé de la fabrique, parler à Lénor à la bibliothèque, obtenir 41 grains de poussière. Oh mais non, mais tout le monde veut des grains de poussière, là. Jamais je vais y arriver. Prendre la suie dans la cheminée, non? Great. Now I'm carrying around a handful of black soot. Prendre.
Avec l'aide de Poupsy. Fermer le réfrigérateur. On va réouvrir encore tous les placards. M'en fous. There's nothing inside. 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 M'en fous, j'aurais tout ouvert. Le décodeur. Table ASCII. Voir la table ASCII. It's my handy ASCII chart. Never know when you'll need to decode binary messages, so I always practice every day. I don't want to pick that up. Ok, ça c'est fait. It feels lonely without Uncle Chuck around. C'est quoi la clé? Voir. It's a fingerprint reader to open the safe. It only works for Uncle Chuck. On peut allumer. Le reçu. Prendre. It's the stub of a check that was made out to an attorney, Brant Balowick. Payment in full for will and reading. It's Uncle Chuck's old desk. It's a receipt from the town's electronics store. One vacuum tube puller paid in full. Okay, et prendre le journal. Entrée 167. Si j'ai commencé ce journal, c'est pour conserver une trace avancée de mes travaux. Il se peut qu'il y ait de la valeur pour les historiens futurs. En effet, j'ai le sentiment d'être sur le point de découvrir quelque chose d'incroyablement important. En tout cas, le plus important que fabriquer des oreillers, si une telle chose est possible. Entrée 168. Comme j'avais pressenti, mon nouveau tube tron est fantastique. Il m'a donné une nouvelle idée que je devais creuser. Très satisfait des progrès réalisés, j'aurais pas pu espérer mieux, je dois m'assurer que les soudures sont bien faites et je pourrais passer à la phase suivante. Je crois que j'ai percé le secret d'intelligence artificielle, c'est un processus assez complexe, mais mon nouveau tube tron fait un véritable genre d'enfant. La première étape va consister à automatiser certaines machines de fabrique, ça devrait permettre une augmentation de la production d'environ 700%. Les profits devraient être faramineux. J'ai automatisé la plupart des machines de la fabrique. Non seulement la production a augmenté de 704%, mais je vais pouvoir réaliser des économies considérables maintenant que j'ai licencié la quasi-totalité des employés. Je vais cependant devoir maintenir Mr. IS à son poste jusqu'à ce que les robots de sécurité soient opérationnels. Les nouveaux robots de sécurité SR01 sont opérationnels. J'ai caché le manuel de programmation dans la bibliothèque à la maison. Il me reste un problème de design à corriger, du coup j'ai inséré un élément tout doux dans le code. Un truc dans la bibliothèque. Cette IA est encore plus performante que je le pensais. Les machines sont pratiquement capables de penser par elles-mêmes. Ce sont les tubes tron, le secret. Les transistors sont une voie sans issue. Je pourrais gagner le prix Nobel avec cette technologie, mais je préfère la garder secrète. Et bien trop profitable pour être partagée. Franklin est un excellent comptable. Mais je préférerais qu'il garde ses idées pour lui. Je vais encore augmenter la vitesse du réseau neurotubial pour l'IA des troncs. Les résultats sont incroyables. J'ai installé des machines tron dans les bureaux du coroner et du shérif. Elles n'ont eu aucun mal à identifier les responsables de délits mineurs. Une fois perfectionnées, elles devraient renforcer. Putain, c'est des robots. Travail des forces de l'ordre. J'ai licencié le coroner, mais étant donné que ça pourrait avoir l'air suspect si Timbleweed n'en avait pas, j'ai élaboré un plan. Je reviendrai là-dessus plus tard. Là, il a remplacé les gens par des robots. Tout le monde ne parle plus que de la fabrique. Plus que de la fabrique de oreillers et machines tron de la ville. Ça a bien entendu attiré la fine fleur de la société ici, et j'ai été contraint d'organiser des fêtes trop nombreuses au manoir, au détriment de mes inventions.
Dolores est vraiment une fille brillante. Cet après-midi, je lui ai appris à souder des tubes. Elle a reproduit l'exercice avec facilité. C'est bien Edmund. Aucun doute là-dessus. Je pressens de grandes choses pour elle. J'en peux entièrement mettre ma vie sociale entre parenthèses et m'occuper des machines troncs de la fabrique. Sirius m'a dit avoir remarqué que l'IA la plus intelligente présentant un comportement étrange. Je vais aller voir ce qu'il en est. J'ai constaté aucun problème avec l'IA, mais Sirius a dû faire erreur, ou peut-être que le stress de son poste le pousse à inventer des choses. J'ai encore augmenté la vitesse du réseau neurotubial. J'ai une longue conversation avec l'IA principale de la fabrique. Elle m'a exposé des idées très intéressantes. Je me suis laissé distraire par une aventure textuelle que j'ai été chargé sur un BBS hier soir. Salut, coucou! Merci Chrisou beaucoup pour ton raid. Merci beaucoup. Vous étiez sur quoi? Salut Patatarte. Salut Chrisou. Je suis en train de lire des choses. Et a priori, en fait... A Plague Tale. Ah bah, j'ai joué avec Dera. Oh là là, attends. Bienvenue à toi. Eskawig, Squig, est-ce que ça se dit Squig ou pas? Oh là là, mais y a que des consonnes. Il y a que des consonnes là. C'est dur à dire. Donc voilà, j'ai joué avec Dera aussi moi. J'ai piqué du popcorn à Dera moi. Jamais facile la première fois. Oui, c'est très bien, Squig. Ok, ça marche. Eh bien, bienvenue à toi. Ça m'a poussé à réfléchir sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Il y a notamment plusieurs concepts sur lesquels j'aimerais travailler. J'ai plus de voyelles sur mon clavier, ce qui explique. Pour moi, Willy est mort. Je le ferai payer pour ce qu'il a fait. Cette fille était à moi, pas à lui. Ouh là là là. L'atelier de Louis n'existe plus maintenant. Je vais faire en sorte que l'IA s'occupe de son compte en banque. Cette aventure textuelle est vraiment très intéressante. En utilisant mon IA, je pense que je devrais être en mesure de simuler un petit univers. Il faut que je me mette au travail. Je comprends pas ce qui s'est passé, une IA a dû être déconnectée du réseau. Il y a eu un début d'incendie au 12e étage de la fabrique, et le stock d'oreillers a pris feu en quelques instants. L'IA était censée contrôler les risques d'incendie, mais j'avais affecté la quasi-totalité des tubes troncs au développement de ma simulation d'aventure textuelle. Et bah du coup, merci Squeak pour le follow, merci beaucoup. Tu vas voir, à un moment, il y a du gameplay, tout ça, je vais cliquer sur des trucs, ça va être formidable. Pour l'instant, je lis des trucs. Je me suis rendu à la fabrique ce matin, elle a été réduite en cendres. Monsieur Reyes a perdu la vie en essayant d'éteindre l'incendie. Les robots gardes ont pensé qu'il s'agissait d'un intrus et l'ont éliminé. J'ai besoin de réfléchir. Je pense que je devrais pouvoir falsifier la mémoire de la pointeuse de la fabrique de façon à ce qu'il paraisse que Monsieur Reyes n'avait pas pointé ce jour-là. Ça devrait empêcher les soupçons. Monsieur Reyes sera désigné responsable. Mais au moins, mon IA ne sera pas mise en doute. Elle est trop précieuse pour disparaître. Plus que précieuse. Putain, le mec... je suis retourné faire un peu de ménage à la fabrique. La plupart des IA semblent avoir été détruites. La seule nouvelle, c'est que les systèmes les plus complexes auxquels j'avais confié la simulation de l'univers de mon aventure textuelle n'ont pas été affectés par l'incendie. Je vais les déplacer au sous-sol. L'IA principale est d'accord avec mon idée de faire porter le chapeau à Monsieur Reyes. Lui et sa femme ont un enfant. Et je suis sûr que Madame Reyes sera très heureuse de quitter la région avec un joli chèque. Ça devrait me débarrasser d'eux. Je dois concentrer mes efforts sur la machine tronc principale. Je suis convaincu que c'est la clé qui me permettra de fusionner IA et simulation. Il semblerait que la fermeture de la fabrique ait eu un impact plus important sur la ville que je ne l'aurais pensé. Plusieurs commerces ont déjà mis la clé sous la porte et les fêtes sont heureusement de moins en moins fréquentes. Je peux enfin consacrer plus de temps à mes recherches. 1138, pourquoi ce numéro me dit quelque chose? Ah oui, c'est dans ce film sur l'espace dont Dolores passe son temps à citer des répliques. Je sais pas. Je l'ai pas. J'ai négligé mon journal ces derniers temps. Ah ouais, effectivement, on passe de 1138 à 2089. Malgré la mauviette qui sert de père, Dolores continue à s'épanouir. Je suis heureux qu'elle s'intéresse à l'électronique et à l'informatique. Elle sera peut-être, elle, la clé de la renaissance de la fabrique. J'arrive pas à croire que Franklin veuille transformer la fabrique d'oreiller en fabrique de peluches. Quelle honte ce serait. J'ai plus un changement de production compromettrait par trop mes recherches. Je vais devoir m'occuper de lui. Je vais lui faire refaire l'intégralité des comptes pour le distraire, il adore ça. Le reste, c'est ma plus grande fierté. Je pense que je vais devoir lui révéler mon secret. Il faut qu'elle reprenne la fabrique d'oreillers. Elle va être folle de joie. Le reste semble intéressé par le développement de jeux vidéo, c'est parfait. Il faut que je lui parle de mon aventure textuelle une fois que je l'aurai terminée. J'ai bien avancé au niveau de la simulation de l'univers. Je la déshérite. Le reste nous a trahi. Accepter un poste chez un éditeur de jeux vidéo loin de Timbleweed Park. Il faut que j'en parle à l'IA. Peut-être laisser emporter au sujet de Dolores. Au moins, elle crée des jeux. Il y a peut-être encore de l'espoir. Il a dit que je dois l'oublier. Elle a sans doute raison. Je crois que j'ai découvert quelque chose d'incroyable.
Faut que je continue mes recherches, ça peut pas être possible. Mais et si ça l'était, ça expliquerait beaucoup de choses. J'arrive à la dernière page du journal, je vais devoir en commencer un autre, j'ai tellement de choses à écrire, tout ça est si incroyable. Uncle Chuck was a strange and complicated person. Bah c'était un putain de meurtrier ton tonton quand même. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. It's a defunct robot prototype. Nothing in here but broken Tron 3000 vacuum tubes. Nothing in here but broken Tron 3000 vacuum tubes. Ah, prendre le dispositif bizarre. Qu'est-ce que c'est? I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. Oh yes, un tube à vide. Prendre la boîte. Nothing in here but broken Tron 3000 vacuum tubes. Voir le lit. Uncle Chuck never made his bed. And I guess Doug can't make beds with a shovel. I can't pull that. It's in here pretty tight. I'm going to need a tube puller. It's Uncle Chuck's custom-built multiband oscilloscope with phase memory monitoring. I don't have a reason to use Uncle Chuck's oscilloscope. Too bad Uncle Chuck never finished working on him. Too bad Uncle Chuck never finished working on him. It says Philips dangerous device and it has a red button and a speaker on it. Est-ce que je l'essaye? Eh ben ça a l'air joyeux comme jeu. non, c'est plutôt sympa, mais il y a des histoires, il y a des histoires de meurtre. I don't think I should use this. It says it's dangerous. C'est gérable avec toutes les options d'action. Ouais ouais, ça marche. Il y en a certaines qu'on n'utilise pas mais mais ça marche. It's a spare AT25 tube. Very rare, hard to find. It's a receipt from the town's electronics store. One vacuum tube puller paid in full. Feeling my way along. Mais pourquoi? Il est pas bien. Digging. Hi Doug, what are you digging? All right, Dolores, I'm just digging stuff in the grand lobby. Mostly holes, but then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug, you're doing a good job. Ta, Dolores. T'as dit que c'est un robot. Where the hell have you been, Dolores? We're all here waiting for you so we can start the reading of Uncle Chuck's will. Take a chill pill, Lenore. I had to answer the door. It was one of those federal agents. I don't care if it was the flippin' Pope. Let's get on with it, sister. I want to know what I got. Un grain de poussière, il y a un grain de poussière. Wait, I thought you said everyone was here. Where's the lawyer? I don't know. I thought he was coming with you. Oh, Lenore, you're useless. Has anyone tried calling him? Well, maybe if you hadn't left town and broken Uncle Chuck's heart, we wouldn't need to call a lawyer to read a will. This is all your fault, Dolores. Évidemment. Ah oui, c'est vrai, ils en avaient parlé, ouais, qu'il y avait le gamin qui s'appelait Chucky. Ok, je parle aux gens avant ou pas, hein? Dolores, if you have anything to say, you say it to me. Chucky doesn't want to talk to you. Bah dis donc. Okay, we got off on the wrong foot. Let's try again. Salut Lenny. Contente de te revoir, grande sœur, non? Lenore. Dolores. If you came for the will reading, you might as well leave now and save yourself the disappointment. Uncle Chuck had a new favorite niece before he passed. Also, have you called the stupid lawyer yet? Oh bon, j'y vais. Will read and see how little Uncle Chuck left you. Alors. Do you know anything about Dad's disappearance? Dad probably ran off to hide somewhere.
It's amazing that Dad and Uncle Chuck were cut from the same genes. One a powerful leader, and the other, well, spineless. Don't talk about Dad like that, Lenore. You're so cruel. Ouais, bon. I think we're done here. Don't let the door hit you on the way out. Utiliser l'annuaire. Je sais plus c'est quoi son nom. Si vous voyez un truc en marron, vous me le dites. Hein. Vous dites stop si vous voyez un truc en marron. Là, il y avait les pigeons. Merde. Ouais, c'est pareil. La banque, c'est non. Enfin, t'as réussi à voir le truc aussi vite ? Merde. Je l'ai loupé. Je devrais les noter quelque part. Ah non, il est là. 74 87. Utilisez le téléphone. Alors. Hi, on va voir le vif. This is Brant Bailiwick, JD. Do you have legal problems? Then you've come to the right place. I'm out of the office today, prepping for ThimbleCon 87. Try me later. Ah. Dolores, if you have anything to say, oh, Chantel. Say it to me. Leave Peter alone. Have you called the stupid lawyer yet? Bon. Would it kill you to help out a little? I wasn't the one who abandoned the family. I was always there for Uncle Chuck. So it's time for you to finally lift a finger and help out. Oh, gag me. All you were ever there for was a handout from Uncle Chuck. Oh, Dolores. Le vif quand on a des centaines de vidéos, des tonnes de pages internet à trier pour trouver la vidéo X de... le film familial pour dormir. Oui, évidemment. So Uncle Chuck really hated me? Can you flip and blame him? You broke his heart when you left to become a... you know what. A game developer? Oh, shh. Do you want the whole house to hear? Is my career really that shameful? Oh, hell yes, sweetie. Then what do you tell people I do instead? We just tell people you went to rehab. It's better for the family name. You tell people I'm a drug addict? Better they think that than know you chose to make those mind-corrupting murder simulators for a living. For the last time, Lenore, I don't make murder simulators. Oh, sure you don't, sweetie. You know what? I don't care. Tell them whatever you like, you grody poser. But this makes us even for the time I used your homecoming crown as a conductor in my homemade generator. How is Chuck Jr. doing? Chucky is thriving. Some people say he's a brat, but those people just don't recognize his blossoming leadership abilities. No doubt picked up from Chuck Sr. because he certainly didn't get them from his father. How are things with Peter? Fine. Il est juste à côté quand même. Peachy. I can't believe we've only been together 20 years now because it feels like a flippin' eternity. I think we're done here. Don't let the door hit you on the way out. I don't need to find any books now. Bah si, il a dit qu'il avait planqué des trucs, non ? Convaincre l'avocat.
Obtenir la clé de la fabrique. C'est quoi comme clé ça alors, si c'est pas la clé de la fabrique? I don't want to open it. It doesn't work in that. De la poussière, de la poussière. You're enjoying our fine weather. Hello, Agent Ray. Catch the killer yet? Not yet. Program any new murder simulators? I don't program murder simulators. I make video games. Whatever you want to call them. Au départ, je voulais faire agent secret, mais la conception de jeu me semblait plus fun. I thought about being a secret agent, but game design seemed more fun. That's nice. Now tell someone who cares. Oh là là. I need to go. Et donc. I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Oui. Hello, Agent Ray. Program any new murder simulators. Am I a suspect? Do I need a lawyer? Getting a lawyer only makes you look more guilty. Oh là là. That's quite a large inheritance you're up for. Is your sister next on your hit list? Do I need a lawyer? Getting a lawyer only makes you look more guilty. Bye. Ah oui, elle a déjà son idée toute faite quoi. Oh, le gaz ! Pour mettre dans... Oh là là, mais... Oh, mais génial ça ! Ça c'est juste génial, parce que... il est où machin ? Machin il est à la forêt. Le pont. Vas-y. Nice. Tac. Toi. Hop, pareil, le pont. On va pouvoir mettre du carburant dans à la tronçonneuse et on va pouvoir couper l'arbre. Génial, non ? Donner le gaz. Et ensuite, mecton, utiliser le gaz. Le pauvre mec est toujours... Il y a des bruits bizarres. Utiliser la tronçonneuse. Trop bien. Ouais, trop bien. Des grains de poussière. Utiliser. Un grain de poussière. Le bouton. Le trou. I don't want to look too closely in case something comes out. Ils servent à quoi les grains de poussière? J'en ai aucune idée. Je les collecte. Il y a Dolores qu'on a besoin. Je sais pas. Enfin, il y a un truc, collecter des grains de poussière. Ça me file des succès. Moi, à chaque fois que j'ai un grain de poussière, je les récupère. Hein. Mais par exemple, il y a Krusty le clown là. Par exemple, dans sa to-do list à Krusty, on voit 38 grains de poussière. Et Dolores, dans sa to-do, 38 grains de poussière. Voilà. La collectionniste. Ah bah, full collectionniste, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Qui est le bouton? Even if I did want to turn this, I can't use my bare hands on this knob. If you are reading this, turn back immediately. Sewers are no place for people who bother to read signs on walls. Huh. An ad for smart buy electronics. Buy six for the price of one? Huh. No wonder they went out of business. An article from 1972 about the factory fire. But the text has faded, so I can't read it. I don't want to pick that up. Allez, va les fils électriques.
Exposed wires that look kinda dangerous. I don't want to pick that up. If I touch them, I might electrocute myself with all this water everywhere. Promotions from businesses that closed down in town. I don't want to pick that up. This must be where any water drains to. I can't push that. It's stuck, but I also don't want to go down into that dark hole. Allez. Hop, je vais sauvegarder là. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre avec 6 feuilles des impôts en rapport à ma récente mise dans auto-entreprise et marqué des trucs. Dans l'entreprise, tant de paperasse. T'es sûr que c'est vraiment les impôts? Alors attendez, hop, je sauvegarde. Tac. Hop. J'ai bien sauvegardé. Hein. Quoi? Ah non, j'ai chargé. C'est pas grave. Salut YouTube. J'ai fait la même avec Metroid Prime hier, c'est pas grave. On s'en fout. Bisous.